Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 sur This War of Mine. Alors dans le dernier épisode, nous n'avons pas pu aller explorer le bâtiment que nous voulions, que nous avions déjà vu la veille, tout simplement parce que les combats nous ont empêchés. Nous sommes donc allés dans l'école. Bon, on a quand même trouvé 2-3 trucs. On venait de rentrer, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Par contre Bruno, il faut absolument que tu nous fasses à manger là. On en a 2 qui vont manger avant d'aller dormir. Ah oui, on n'a pas de légumes. Ça va nous coûter énormément d'eau. Mais malheureusement, il faut que tout le monde mange. Enfin, malheureusement. Non, c'est pas malheureux que tout le monde mange. Mais bon. Allez, viens là, tu vas attendre ton tour. Hop, tu prends à manger et tu iras te coucher. En bas, on a de la nourriture, on ira la récolter. Parfait. Toi, tu vas manger et tu iras récolter la nourriture. Toi, tu viens manger et tu iras te coucher. Alors, je vais pas regarder les bio. Non, 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 non. Ok. Donc toi, tu manges et tu vas te coucher. Et toi, tu manges. Hop, tu vas tout de suite remettre ce qu'il faut pour les capturer. Toi, tu vas écouter la radio, voir s'il y a quelque chose. Hop, tu remets ce qu'il faut. Non, rien. Tu vas venir voir pour améliorer cet atelier. Toi, tu remontes là. Il nous manque du bois. Non, il nous manque beaucoup trop de choses. Du coup, toi, tu vas voir pour améliorer ta cuisinière. Ce serait sympa que le marchand vienne aujourd'hui. Bon, je n'y crois pas trop, mais... Oui, parfait. Il va nous falloir du bois demain. On peut refaire un tour à l'entrepôt s'il est disponible. Comme ça, on récupère un bon paquet de bois. Après, retourner à l'école pourrait aussi être une bonne idée. D'ailleurs, j'ai dit qu'il me fallait une scie pour retourner à l'école. Allez. Il m'aurait fallu une pelle aussi, ça m'aurait aidé. Ça y est, c'est amélioré au maximum. Oh, ça ne consomme plus que 2 d'eau. C'était 4 avant, non? J'aurais dû le faire juste avant de faire à manger. Non, je crois que c'était 2. Oh, je sais plus. Par contre, je vais fabriquer des filtres et il va falloir que je remette à tourner les récolteurs d'eau. Tant pis, ça va m'en gâcher. Allez, j'attends qu'il ait fini. Ok. Tu nous en mets un. Et tu iras le mettre à côté aussi. Parfait, tu vas le mettre à côté. Bon, aujourd'hui on est pas mal. Il ne reste plus grand chose à améliorer dans la maison. Qu'est-ce que l'on pourrait construire qu'on n'a pas construit? Il nous manque juste le petit jardin de plantes. Qui demande pas mal de choses aussi. Là, je pense qu'on a de quoi survivre jusqu'à la fin de la guerre, tranquillement. Bon, on va tout de suite terminer la journée, on va repartir en exploration. On va
Il y a énormément d'endroits où on ne peut pas aller, on va retourner à l'école. C'est Marco qui va y aller, toi tu dors. Roman, tu montes la garde, toi tu dors. T'emmènes une scie. Je pense que je vais quand même perdre du temps pour dégager le... pour dégager la voie ici. Ça sera plus simple. Donc ce serait bien que je trouve quelques composants. Des engrenages si possible. Le bois, c'est vraiment le truc que j'emmènerai s'il me reste de la place. Parce que demain, je retournerai bien en chercher l'entrepôt. Après, je me dis ça, mais ça se trouve, l'entrepôt sera devenu inaccessible. Je vais me faire avoir sur le bois. Bon, je sais pas, je vais voir. Je vais aviser en fonction de ce qu'on trouve. Allez, allez. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais au moins ça sera une bonne chose de faite. Le reste a l'air plus tranquille. Allez, tu me fouilles ce qu'il y a ici. Il n'y avait rien entre les deux tas de débris. Waouh, tu me prends tout ça. J'ai laissé quelque chose ici. Tu me prends tout ça. Bon, bah finalement, je vais rentrer avec beaucoup de bois si ça continue. Par là, tu viens voir, tu vas fouiller là. Ça, il m'en faut. Tu vas aller scier là. Allez, allez. Hop. Une arme cassée, ça ne m'intéresse pas. Pas, mais bon, on peut toujours le prendre. Maman, c'est affreux. Aujourd'hui, un homme appelé tireur d'élite a tiré sur une fille que je connaissais. Je n'arrive pas à croire que je ne la reverrai plus jamais. Elle était si gentille. Qu'avait-elle fait au tireur d'élite? Ils ont coupé l'électricité et l'enseignant a dit que nous devions rester un peu plus tard à l'école aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous voir tout de suite, toi et papa. Au moins, ils ont promis de vous apporter cette lettre. Viendrez-vous me chercher pour rentrer à la maison? Pauvre enfant. Bon, c'est dégagé, ça sera une bonne chose de faite. Hop, j'ouvre cette porte. Donc là, il me reste des choses à prendre, je verrai plus tard. Ça, c'est intéressant. Hop. Ce n'est rien. Ils ont encore pris ma nourriture. Ah, il y a quelqu'un là. Ouais, on peut toujours compter sur les amis. Si j'ouvre. Non, tu ne dis rien? Bon, d'accord. Quelqu'un qui dort en bas. Bon, je vais pas dévaliser ces pauvres gens. Je regarde un petit peu ce qu'ils ont, ce qu'ils traînent à côté. Ça, c'est très intéressant. Hop, je vais en reprendre un seul. Non, je ne prends pas. Pour l'instant, ce n'est pas du vol. Hein. Wow.
Ça pourrait tellement m'aider. J'en ai pas besoin, mais ça se vend. Non, je vais pas les voler. Là, c'est verrouillé. Ça serait du vol, par contre. Il s'agit d'un message destiné à quelqu'un. J'ai préparé une planque derrière le réfrigérateur, comme tu le voulais. J'y ai déjà mis des choses. Vois si ça te va. Derrière le réfrigérateur? Où qu'il est? Il est là. Hop. De l'alcool et de la nourriture. Pourquoi pas? Waouh. Bon, clairement, je vais revenir. Hop. Je vais peut-être prendre l'alcool. Quoique c'est de l'alcool de contrebande. Ah, là, il faudrait... Ouais, mais c'est du vol. Hop. Non, les icônes de vol, je préfère éviter. Bon, moi, je vais prendre ça. Ok, allez, tu t'en vas. Je reviendrai demain, si besoin. Je pense pas que les matériaux leur soient très utiles. Vingt-quatrième jour. J'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit. Nous avons été pillés, on a juste utilisé des munitions pour les repousser. Alors c'est le jour où on mange pas, hein. Toi, tu vas te reposer. Alors, est-ce que tu peux améliorer ça? Oui, il va falloir remettre du feu, du carburant. Non, on a clairement pas ce qu'il faut. Et ici, tu peux améliorer. Ici, il nous manque juste du bois et on pourrait améliorer l'atelier de plantes. Pourquoi pas? Demain, on peut retrouver du bois, hein, s'il n'y a que ça. Mais c'est quand même celui-là qui serait le plus intéressant à améliorer. Bruno, sa bio a augmenté. Mais j'ai pas d'engrenage en stock. Jour 24, histoire. J'ai une maison juste à l'extérieur de la ville et je prends le bus pour aller travailler. Un jour, dans mon restaurant ici à Pogoren, je ne faisais pas vraiment attention à la télévision en sourdine qui révélait des scènes de combats violents. Lorsque soudain, j'ai reconnu le lieu des événements. C'était ma ville. Mon ami était là-bas. Le cœur battant, j'ai attrapé mon manteau et foncé en direction des coups de feu. Bon, ben je crois qu'on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui en fait. Si, j'ai pas écouté la radio. Pavel, va écouter la radio. Si le marchand vient, ça pourrait être une bonne chose. D'autres atrocités commises par les militaires. Ce matin, un obus de mortier a explosé sur la place du marché bondé de Pogoren, faisant des victimes et de nombreux blessés. Ah là là. Ah bah voilà, il suffit que je t'appelle et tu viens. T'es plutôt cool. Regardez ce que j'ai apporté. Ah, je regarde. Après, moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est principalement les matériaux de base. Comme ça. Contre quoi tu voudrais pour ton bois? Qu'est-ce que je peux te fournir? Pas grand chose à te donner. Hein. Je peux te donner un diamant.
Vous plaisantez, il va m'en falloir plus. Je peux te donner des médicaments. Non, tu veux pas. Des bandages. Non, tu veux pas des médicaments. Duh. Pas encore assez pour tout ce bois. Je vais donner ça en plus. Votre offre est franchement impressionnante. Non, c'est trop. Composants de médicaments. Non. Un bout d'arme cassé. Bon, à la rigueur, ça, je peux le réparer. Si je te donne une arme... Non, c'est trop impressionnant. Je peux te donner de l'alcool. Hop. Alors, est-ce qu'on peut renégocier? Ce coup-ci, j'aimerais ça. Là, je te propose un fusil. Je peux m'en fabriquer un autre. Une bouteille d'alcool et des médicaments. Quelle générosité. Qu'est-ce que je pourrais te donner? De l'alcool pur. Pas assez. Très ordinaire, pas très intéressant. Rien de spécial, mais pas mal quand même. Voilà. Et toi, tu peux améliorer ça. Oui, tu peux l'améliorer. Hop, je vais voir pour te prendre d'autres trucs. Il me faudrait ça. Il me faudrait surtout ça. Ok, marché conclu. Si je te prends l'eau en plus. Pas assez, revoyez votre offre. Qu'est-ce que je peux te donner? Quelle générosité, je peux rajouter des trucs. Pas assez, je te donne un morceau de sucre, deux morceaux de sucre. Donc là, il n'y a rien qui m'intéresse dans ce que tu as. Tu as du combustible. À la rigueur, ça m'évite d'en fabriquer. Mais bon, j'ai pas envie de dépenser trop de choses contre ton combustible. Si je te donne une plante. Non. Ok. Hop, si je te donne ça et que je récupère ça, quelle générosité. Marché conclu. Ok. Cette partie de la ville est dangereuse, mais j'essaierai de revenir. Bah, j'espère, hein, vu tout le commerce qu'on fait ensemble. Est-ce que tu peux améliorer ici? Je pense pas qu'on aura assez. Ah, il nous manque un composant comme ça et du bois. Ce qui n'est pas grand chose. Donc ici, on pourrait fabriquer de vrais médicaments. Donc c'est ça. Plantes, composants de médicaments, ça on peut. Ou des cigarettes roulées de qualité. On va fabriquer ça. Ici, on pourrait se fabriquer. Bon, on a besoin de rien. Toi, tu t'es reposé. Hop, tu vas leur remettre un peu de combustible. C'est déjà plein de combustible. D'accord, donc tu fabriquais des médicaments. Tu pourrais fabriquer des roulés de qualité. Mais tu vas les fumer. Ah, si je fais des cigarettes, tu vas les fumer. On ferait mieux d'éviter toute personne armée, quelle qu'elle soit. Moi, je suis bien d'accord. Bon, on attend que tu aies fini de fabriquer ça, et je pense qu'on pourra finir la journée.
Toi, remets-nous, hop, du combustible. Est-ce qu'on se met de l'alcool à distiller? On peut le faire, allez. Ça pourra toujours être utile. Et on va terminer la journée. Alors Marco, tu pars collecter bien sûr, toi tu dors dans un lit, Roman tu montes la garde, toi tu dors dans un lit, c'est parti. Tu n'as besoin de rien et tu fonces. Alors tu viens directement ici, hein, je t'en souviens. Donc ça on l'avait lu, tu vas prendre tout ce qui reste ici. Hop, des cigarettes surtout. Tu prends tout ce qui traîne, allez. Hop. Tu prends tout ce qui traîne à cet étage pour commencer. Au pire, on reviendra demain, tu prendras ce qui reste en dessous. Plein de bois. Ça c'est une bonne chose. Ici je crois que c'était fermé à clé. Oui, je prends les médicaments parce que c'est pas une icône de vol, donc bon, techniquement ça leur appartient pas. Donc, j'évite de les voler, c'est tout. L'alcool. Et ici, qu'est-ce que j'ai laissé? Pas mal de composants, il faut que je revienne demain. Ici, il n'y a rien. Ici, il reste ça. Mais là, il y a du vol. Ok. Donc, il reste, bon, deux endroits à prendre. C'est pas grand chose, mais bon, ce sera toujours ça. Puis je préfère revenir ici prendre des matériaux que risquer ma vie ailleurs. Alors normalement c'est le jour où on mange. 25e jour. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Tu rentres, t'écoutes la radio. Bruno, tu vas aller faire à manger. Alors, ça, il nous en faudrait 4, s'il te plaît. Toi, tu vas aller récupérer la nourriture en bas. Toi, tu vas venir manger et dormir. Bah, du coup, il nous reste que cet atelier à améliorer. Et on aura tout amélioré. Éventuellement, un petit jardin de plantes à construire au besoin. Ok, tu manges. Et tu vas te coucher. Allez, suivant. Tu manges. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, t'as faim. Oui, tu vas manger. Allez, tu vas dormir, toi tu manges. Parfait, toi tu mets autre chose. Alors t'en remets un pour en gagner deux, bon. Et toi tu descends, tu vas mettre du carburant là-dedans. Hop, tu regardes pour améliorer ça. Il ne manque plus qu'un composant comme ça.
J'allais dire on pourrait regarder pour faire un jardin de plantes, mais quelque part je préfère attendre pour... pour refaire un composant. Hop, tu vas nous fabriquer deux combustibles. Tu vas aller voir ici. Il nous faudrait des filtres pour faire de l'alcool pur. Il nous reste que 8 combustibles, il faut que je fasse attention. Mais avec de l'alcool pur, on pourrait facilement faire un médicament ou des bandages en cas de besoin. Bon, bah tu vas aller t'asseoir et toi tu vas aller jouer un peu de guitare. Voilà, on est tranquille chez soi. On va peut-être se refabriquer quelques filtres. On a pas mal de médicaments, on a quelques cigarettes. T'as déjà fumé tant que ça? Faut que t'arrêtes. Notre refuge ressemble presque à un foyer. Il nous réconforte et nous aide à retrouver notre sang-froid. Nous avons des lits et nous dormons dans des conditions décentes. Nous n'avons qu'une seule chaise, bon d'accord, tu veux peut-être une autre chaise. Si quelqu'un tombe malade ou a des blessures, il aura un endroit où se reposer. Nous avons fabriqué une radio que nous allons l'écouter. C'est une bonne chose que nous ayons une guitare. Ce simple instrument nous remonte le moral en ces temps difficiles. Nous manquons vraiment de livres. Un bon livre pourrait nous aider à oublier les horreurs de la guerre. Rester ici offre un peu de répit en ces temps difficiles. Cigarette fumée par jour, 6. Arrêtez. Tous les trous dans nos murs ont été barricadés. Nous avons renforcé la porte et installé un système d'alarme improvisé. Même si on nous surprend dans notre sommeil, nous devrions pouvoir repousser la plupart des attaques. Bon, et ben nous, c'est sur ces quelques notes de guitare que nous allons nous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.